C'est mieux comme ça. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi c'est les 2 heures de rétro avec Métro évidemment. Oui, petit problème de stream au début. En fait, en gros, il y avait une option, on va dire, de sécurité Windows qui me disait hep, il y a un truc qui est désactivé, c'est pas normal. Bon, je me dis bah je vais le réactiver, il n'y a pas de souci. Je le réactive, je redémarre l'ordinateur et je me dis bon allez c'est bon, je suis prêt pour streamer. Et là, je vois que en mode haute performance, je suis bien en mode haute performance, hein, je vais le réactiver vite fait, mais normalement oui. En mode haute performance, le CPU tourne à 5 GHz. Et je me dis, ben là c'est bizarre, pourquoi le CPU il est bloqué à 1,8 GHz? Pourquoi il est bloqué à ce niveau-là? Et je regarde dans les paramètres de Windows, et je vois que les paramètres de Windows, ils me disent, bah non, il tourne bien à la vitesse, mais... Hardware Info que j'utilise, me dit bah non, il tourne à 1,7 GHz et c'est tout. Et quand je mettais la musique, vous l'entendez peut-être aussi, mais j'entendais des. En gros, des cuts dans la musique, ça ralentissait, ça ravançait, ça ralentissait, ça ravançait. Et je me dis, mais il y a quand même un problème, quoi, c'est pas normal. Du coup, j'ai redésactivé ces trucs-là. Donc Windows me dit attention c'est désactivé, mais en fait si je l'active ça fout la merde. Donc du coup je laisse désactiver, de toute façon c'est que des trucs de sécurité au cas où il y a une personne qui rentre chez moi et qui branche un périphérique USB qui est pas vraiment un périphérique USB. C'est une sécurité sur on va dire les pilotes pour éviter de charger les mauvais pilotes. Alors oui, mais il y a personne qui va même si une personne qui force ma porte pour pouvoir rentrer chez moi, c'est pas le premier truc que je vais penser en fait. Donc je me dis, bon, c'est pas grave. Du coup, ce soir, on continue ce Secret of Mana. Est-ce qu'on le terminera? Je n'en sais rien. Je sais pas du tout si on terminera ce Secret of Mana ce soir. En tout cas, on va bien l'avancer. Et en tout cas, là, on va se faire une demi-heure 40 minutes de level up. Parce que c'est le meilleur endroit où on est pour level up. Et donc du coup, on va essayer de level up tranquillement. On va relancer du coup l'émulateur parce que je l'avais lancé avant de tout couper en me disant non c'est pas normal que ça bug comme ça. Hop, bonjour Ludo. Et on va du coup se lancer ça tout de suite. On va couper la musique. Ah oui, audio pour Ludo. Ah, mais audio pour Ludo, je l'entends pas. Oh bordel. Pourquoi je n'entends pas l'audio pour Ludo? Ah, mais parce que j'ai coupé le son du game. C'est ça le truc. Parce que j'avais coupé son game, c'est ça? C'est ça. Mais pourquoi maintenant vous l'entendez dans le Wavelink stream? Ça marchait pas avant. Parce que j'avais fait capture audio pour Ludo. Bon, bah maintenant ça marche. C'est comme les donations, enfin les donations, les follow et tout ça, en coupant le stream. Ah oui, mais c'est pour ça en fait, c'est parce que sur le stream, le son il est coupé de base, il se réactive jamais, c'est peut-être ça le truc. Vraiment je regarde ce truc là. Bon bah du coup maintenant il y a le son directement dans Wavelink, ce qui devait être comme ça à la base depuis le début, mais bon. Ça ne fonctionnait pas avant. Peut-être mise à jour de Wavelink. Possible. Bah, du coup, je vais juste mettre ça un peu plus haut. Ah, parce que sinon, je vois pas le Nvidia Broadcast. On va se mettre là comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on en était. Ouais, on avait donc du coup sauvegardé à Bolé. Parce que du coup, on devait donc aller à l'arbre mana, en fait, tout simplement, et on devait aller XP notamment à l'arbre mana parce que du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas, pas XP. Voilà, non, si on va faire ça. Non, parce qu'en fait, j'étais en train de me dire si je veux pas changer trop le son. Ouais, non, c'est pas grave. Au cas, j'aurais coupé le son game sur le Wavelink, mais c'est pas grave. Ça ira très bien. Du coup, let's go.
Et on va du coup faire ça. J'ai oublié de mettre la manette. Avec ce redémarrage en règle. Formidable musique. C'est là. Hop. Alors. Du coup, il faut qu'on aille normalement au cratère de l'arbre mana. Et on va pouvoir du coup XP tranquillement. Parce qu'en fait, après, au fort mana, il y a un... Comment dire une sorte de boss rush. Que j'ai regardé vite fait. C'est en ça que j'ai vu que oui, en gros, cette zone-là, c'est la meilleure pour XP. Parce que les ennemis donnent énormément de points d'expérience. En plus, on l'avait vu la dernière fois, il y a une grande zone. Et cette grande zone, en fait, on peut s'en servir pour XP tranquillement. Je m'encule un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Allô ? Attends. Ça va être mieux comme ça. Alors, du coup. C'est pas là. Regardez vite fait la map. Coute. On est où exactement? On doit aller là-haut, hein. Tout là-bas. On est où exactement? Ah oui, on est là. Ok. Donc, si on fait... Nord, après avoir passé le truc. Ok, nord, ouest. Ok. Non, c'est tout droit. Allez, c'est parti. Je t'attendais. Viens ici, vite! À la base, je voulais taper. Ok. Et en fait, là, il va falloir que on fasse au moins 40 minutes d'XP. Parce que du coup, là, les ennemis nous donnent beaucoup d'expérience. Il y a une salle, normalement, qui permet vraiment de gagner en expérience. Ouais, elle permet également de crever, aussi. De toute façon, normalement, on peut se barrer, hein, normalement. Micheline. Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. Hop, Ondine level up. Bravo. Arthos est encore mort. Je suis mort. Ah. Micheline est morte ou pas. Micheline n'est pas morte. Elle est censée être morte, mais elle n'est pas morte. Yay! On recommence! Oui! Alors, on n'était pas mort la dernière fois, on était mort sur le boss, mais là le jeu a décidé qu'on allait mourir. Donc on va mourir, hein. Tant pis, hein. On va mourir.
La dernière fois, on n'était pas mort du tout. On avait réussi à XP tranquille avant de se faire défoncer par le boss. Où j'avais même dit j'aurais dû save state. Bon, reprenons. J'avais dit j'aurais dû save state parce qu'en plus on avait eu le meilleur gant du jeu en plus. Allez. Voilà. Alors, ce que je voulais savoir, c'était au niveau des... Ok, on a 48. Je vais voir du coup ce que ça donnait. Pardon. Non. On gagne vite fait ça. Mais... Alors du coup là on en a tué deux. On a combien? 42. Mais c'est vrai que du coup il donne quand même pas mal quoi. On avait une salle où il y avait beaucoup d'ennemis. C'était cool pour XP. Il me touche pas. Non. Là par contre moi je le touchais. Ok. Après, on a des noix, hein, de toute façon, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Mais... Micheline, soigne-nous. Soigne-nous et vite. Quelle était cette mitrailleuse? Tout, 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 tout. Ah. Est-ce qu'on avait des magies à améliorer? On peut améliorer Athanor, à la rigueur. C'est vrai que lui, il est l'effet mur, lui. Ah bon? Bah. Il
Soigne-nous et vite. Ok. Au bout d'un moment, j'aimerais bouger en fait. Est-ce que tu peux soigner les gens, s'il te plaît? Pardon? Oui. Je me suis trompé de personnage. Mais au bout d'un moment, ils vont faire emmerder eux. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, j'étais en train de me dire, surtout ne vous faites pas défoncer le cul, ça serait quand même un peu dommageable. Voilà. Laissons Micheline tirer à l'arc. Allez, viens là. Très bien. Comme je dis, de toute façon, on ira récupérer des trucs, hein, de toute façon. Bravo. Normalement, ça c'est le meilleur gant. Ah non, un nectar. Nectar, ça va à quoi? Ah, c'est pas les noix améliorées. Enfin, les meilleures noix. Du coup, on en est où en termes de stats? 8000. Pardon. On va se prendre un chocolat. Non, c'est pas par là, Zinedine. Bravo. Pour ça, tout ça pour utiliser quand même une magie derrière. Mais meurs, qu'est-ce qu'il fait quoi? Ah, mais il l'a pas tué. Mais alors, qu'est-ce que tu fous? Allez! Eh ben, dis donc! Ouh. 48-48.
Très bien, bravo. Micheline. Après, sinon, on pourrait très bien aller à Polaria pour save, en fait. Oui, alors si le... Oui, j'aimerais... Bon. Hashtag le jeu m'ennuie, je me casse. On va aller à Polaria. Polaria. C'était normalement... Ah bah oui, ou Kakara, oui. Tranquillement ce qui nous manque à chaque fois. Mais surtout le pire c'est qu'on avait eu du coup le meilleur gant du jeu quoi. La dernière fois on avait quand même récupéré le meilleur gant du jeu. Si on peut le récupérer en trois fois, ça serait génial, quoi. Allez. Après, sinon, on se fait juste les deux premières salles. En boucle. Juste que normalement... Polaria. Mais... Mettez pas de bonjour, rien quoi. Après le problème en fait c'est que si nous... Ils nous font 200 de dégâts. Non mais on... Arthos est déjà mort quoi. Mais c'est pas possible. Attendez, on a quand même équipé nos armures, on n'est pas à poil, non? On a le harnois. Il y avait pas mieux, on est d'accord, on avait regardé ça. On avait regardé, hein. Oui, après, t'as le... Oui, voilà, c'est ça. Palais de l'arbre, laissé par Metacrab. Palais de l'arbre. C'est quoi, palais de l'arbre? Ah, c'est le palais de... Ah, d'accord, c'est le palais de... C'est le palais de... Bah non, il n'y a pas ce... Palais de l'arbre. D'accord.
Les corselets de Chacha. Et des trucs, je me dis, mais où, quoi? Et je comprends rien. Je comprends rien à leur site, en fait. Ça nous dit, allez acheter les corselets de Chacha. Mais les corselets de Chacha, les corselets ne sont pas donnés par Chacha. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Corselets de Chacha. Oui, d'accord, mais on peut pas les acheter, les corselets. Non, mais là, je... Parce que là, ils font quand même 200 de dégâts. Donc je me dis, même si on gagne des niveaux, on va se prendre 200 de dégâts dans la gueule. Donc il y a forcément un endroit où on peut avoir le corselet. Chacha devant le palais englouti, 65 000. Oui, on l'avait vu la dernière fois. Ah oui, mais donc du coup, c'est bon. On va se faire tuer. Voilà. On va reprendre la sauvegarde. Voilà. Parce qu'en fait, bah oui, du coup. Parce que là, on a 200 000 qu'on peut se les acheter, les corselets. Là, c'est bon, on a l'argent. Eh non, mais oui, c'est pour ça que je comprenais pas le truc. Parce que s'ils font 200 de dégâts, c'est que on n'a pas assez de défense. Donc oui, je regarde un petit peu la soluce, mais c'est vrai que c'est plus pour optimiser, quoi. Surtout quand je regarde la soluce, mais c'est surtout parce que j'ai complètement zappé. Mais c'est vrai que oui, on avait accès aux corselets directement chez Chacha. Mais on n'avait pas pu les acheter parce que ça coûtait trop cher. Là. Allez. Allez. Merci. Pour la petite histoire, cette musique, je sais plus si je l'avais déjà dit, mais je l'ai utilisée pour le premier jeu vidéo que j'ai fait, c'est sur RPG Maker. Et j'avais utilisé cette musique-là comme musique d'intro. Voilà, les corselets. Ok. Bah 3 du coup, oui. La manchette, elle est mieux que ce qu'on a, je suppose. La manchette. Elle fait 90. Oui, là, on a la bague lapis. On a la bague de lapis. Je crois. Et ça, c'est le kamaï. Le kamaï, il fait 140. Mais nous, là, on a le... Non, là, on n'a pas le... Attends, qu'est-ce qu'on a en... On va juste se mettre le truc. On a quoi en équipement? On a le casque dragon. Casque dragon. Il est là. Ah ouais, ah si, il faut qu'on l'achète, faut qu'on achète les camailles. Déjà, on a ça. Non. On a ça à vendre. Donc là, on passe de 139 à 240 points d'armure. Ouais, donc du coup, on va déjà vendre tout et on fera tous les trucs après. Alors. Du coup, il y a ça à vendre.
On n'aura pas assez, hein, de toute façon, pour... On aura assez peut-être pour un. Ok. Ouais, là, après, on a la bague lapis. Ouais, faudra aller prendre. En fait, faut limite vraiment ce stuff ici, quoi. Ok. On en a au moins deux. Du coup, on va pouvoir vendre deux casques dragons. Okay. Alors, on va équiper tout le monde. Donc, hop, passe de 66 à 140, 240, ok. Ensuite, on a Micheline. Micheline, elle change pas d'équipement, pas de casque. Par contre, hop, 240. Et Michel, lui, par contre, il va changer de casque. Et hop. Voilà. Ok. Donc. Ensuite, on prend. Pour aller donc du coup de nouveau XP tranquillement. Ok. Au nord j'aurais dû aller. Okay, hop, et là on arrive à non, je cherche en fait. Je cherche Polaria en fait. Ils sont où? Ah bah c'est là. On va déjà voir si il nous faisait 200 de dégâts à la base, hein. Ah oui! Ils font plus que 50 de dégâts. Hein. Déjà. Ah oui, quand même. Ah, c'est pour ça que là, on voit vraiment bien ce stuff et bien XP, quoi. Et du coup, elle, Micheline, se reprend plein de dégâts parce qu'elle, elle a pas tout. Elle a pas tout. Non. Bon, ça c'est pas grave si je suis sous silence, vu que de toute façon... Non mais... Oui, bon, oui, tant pis. Mais non, mais... Ne sois pas bête. Alors même avec une belle armure, ils sont pas simples. Hein. Après, ça sert peut-être à rien que j'aille acheter un autre casque. Que théoriquement il y a des ennemis qui sont censés m'en donner un de casque. J'ai. Donc du coup autant peut-être que là on économise pour acheter le bracelet qui lui sera porté par tout le monde. Mais allons. Bon, je sais plus qui le donne. C'était pas eux qui le donnaient. C'était les petits, je crois.
Oh. Bon. Boum boum. On va faire up un petit peu les magies de Ondine. Comme ça au moins on sera tranquille au niveau soins. Je fais la grimace, c'est parce que je me dis j'espère que je vais pas trop loin non plus. Bonjour. Ça, on pourra toujours aller en racheter, donc c'est pas ça qui coûte le plus cher. Hop. Allez. On va essayer de faire le tour par là. Bravo. Ouais, ils ont fait mur. On va passer par en dessous. Bravo. Il me faudrait la hache. C'est sérieux, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Hein. Spora. On va voir au niveau de la grande salle, parce que c'est là où il y en a le plus. Ça va être trop loin. Oh oui. Petit 789 de dégâts. Allez hop, 49. Et en fait, cette zone-là, après qu'on ait fait le boss, on n'y a plus accès. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut profiter de cette zone. Parce qu'en fait, dès qu'on a battu le boss, on n'a plus accès à cette zone-là. Et du coup, on n'a plus accès à cette zone de farm où les ennemis donnent énormément d'argent et d'XP. Parce qu'en fait, c'est la dernière grosse zone de farm du jeu. En fait. Donc en gros, les ennemis donnent énormément d'argent et énormément d'XP. Pour pouvoir ensuite faire le dernier truc tranquillement, quoi. Oui, non, mais au bout d'un moment, j'aimerais jouer, en fait, le jeu. Jeu vidéo, appuyer sur des boutons, tout ça, tout ça. On va les soigner, hein. Merci. Voilà.
En fait, j'aimerais. Voilà. On va faire ça. Hop. Il est tiré sur qui là? Il s'est fait mal sur quoi? Oh là, bing bing. Eh ben, bang bang. Hop, 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 on soigne. Ouf. Par contre, faut qu'ils viennent parce que là-bas c'est le changement de zone. Voilà. Où est-ce qu'on en est au niveau argent et niveau mince. Oh, 96, 92 000 et on est à 27. 27 000 en niveau, ok. Et du coup, il repop vu que c'est suffisamment loin. Oh, biboum. Des soins, s'il te plaît. Bah, j'essaie d'être un minimum concentré, mais... En gros, les streams Secret of Mana, c'est vrai que c'est des streams avec assez peu d'interactions. Mais il est parti. Surtout parce que je suis très concentré à pas mourir. Mais vous pouvez être bercé de cette douce musique tranquillement. C'est un petit plus. Ah bravo, oui. Oh, d'accord. Et voilà. Ouf. Il me faut du coup une coupe désir. Ah oui, d'accord, on revient ici. Oui. Comme si on avait fait le tour, quoi, en fait. D'accord. J'aimerais bien qu'on retombe sur le casque, quoi. On était tombé sur le loot rare comme ça, quoi. On a claquement de doigts. Et là, du coup, là, on galère pour retomber dessus. Et je sais plus quel mob l'avait donné. Ah, bravo.
Bravo. Bravo. Bravo. Hop. Coupe de vire. Niveau 50. Hop. Nostalgia qui passe niveau 50 aussi. On va faire passer Arthos au niveau 50. Ça m'embête, j'aurais bien aimé retomber sur le casque quoi. Il y avait de la chance de tomber dessus. En fait, c'est un loot rare, donc du coup, en fait, on peut tomber dessus comme on ne peut pas tomber dessus, quoi. C'est complètement aléatoire. Donc, en fait, déjà, pour qu'il y ait un loot... C'est déjà rare, et en plus derrière il faut qu'il y ait ça dedans quoi. Il lance des fourchettes rouges. Tous level up. Athanos. Athanor level up. Athanos. Le mélange de Arthos et Athanor. Athanos. Non, c'est pas eux qui les donnent, ça. Je m'en souviendrai. Bravo. Merci. Je vais regarder juste vite fait. C'était lequel C'était des glyphas, voilà. Ok, c'est des glyphas. Ah oui, donc en fait... En commun, ils donnent des chocolats. Donc déjà, il faut que ça drop quelque chose. Mais si ça drop, ça risque d'être un chocolat. Déjà. Et le rare, oui, le rare, c'est du coup le casque Glyphon qui a 145 de défense. En vrai, on gagnerait que 5 points de défense en plus. Est-ce que ça fait beaucoup de différence? Peut-être pas. En vrai. En vrai, pas beaucoup, quoi. Par contre, une couronne, qui est un élément encore en plus, il peut être tombé sur des armures. L'objet qui fait tomber est commun. On verra bien. Bon, on va voir un petit coup. Donc du coup, c'est pas eux. C'est pas eux, c'est les glyphas, quoi, du coup. Est-ce qu'on a suffisamment de sous? On a 153 000. Du coup, c'est eux qui ont ça. Je pense qu'on va peut-être faire cette salle-là.
Et on va aller voir le chacha pour... Arm level up. Oh, Néostalgia. Ah, mais même moi, lance niveau sup, épée niveau 7, vas-y donc. Par contre, faut qu'on se casse. Voilà, parce que sinon, ça va être chiant. On va essayer d'augmenter un peu lui aussi. Parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Ouais. Faudra qu'on l'augmente un petit peu aussi, parce que ce serait bien d'augmenter un peu toutes les magies. Le bout du blues. Bon, ça aurait été bien de pouvoir avoir le casque, mais bon. Bon, au pire, on va aller les acheter, hein, on a assez d'argent maintenant. Non, j'aimerais bien avoir l'autre. Merci. Please. Ouais, un petit casque. Bon, bah cassons-nous alors. Allez hop, on retourne au chacha. L'idée, ça serait de retourner au chacha, d'aller acheter des trucs, d'aller sauvegarder à un endroit. Parce que ce chacha-là ne fait pas de sauvegarde et c'est tant mieux. Du coup, c'est bien et c'est... Enfin, c'est bien de manière générale. On n'est pas tombé sur le chacha buggé. Ça, c'est bien. Alors, 1, 2, 3, 1, et coupe désir. Du nectar. Du chocolat, c'est bon. Noix, c'est bon. Ok. Alors, du coup. Lui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et là, du coup, on passe de 35 à 90. Ça c'est bon, ça c'est bon. Hop. Et du coup, Micheline. 60 à 140, ça c'est bon. Et évidemment de 35 à 90. Formidable. Et maintenant, on va aller sauvegarder. Bah, je n'ai pas besoin de bouger, juste à prendre mon tambour. Du coup, on a XP jusqu'à niveau quoi, 50, 51? Alors, on va aller sauvegarder. Normalement, Polaria, c'est pas par là. Voilà. Allez.
Évidemment, une sauvegarde. On est niveau combien du coup? 50. Ah oui, il nous reste 6000 pour passer au niveau supérieur. On passera là quand on va y arriver, quoi. Hop, le tambour. Et c'est parti. Ok. Allez, c'est parti. Ah, je sais plus le boss. Ah si, il était... c'était Sylphide, je crois. Pas grand-chose, hein. C'était Sylphide, je crois qu'il était sensible. Oui, encore. Ah putain, on l'avait fait que niveau 3 du coup. Et hop. Ah ouais, donc du coup, là, on a fait ces mobs-là, on gagne 6000, comme ça. Ah oui. Ah oui, le problème, c'est que là, il me faut la hache. Allez, boring. Alors, Arthos, niveau 51. Je pense que là, on est bien niveau... au niveau de niveau. Parce que on esquive les attaques un peu mieux. Du coup, c'est-à-dire qu'on a un bon score d'esquive. Le score d'esquive, en fait, après le, enfin après l'esquive se calcule en fonction du score d'esquive. Et évidemment, on gagne du score d'esquive quand on augmente de niveau. De toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on se fera un... Comment dire ? Une safe state, hein, de toute façon. Là, on va se faire une safe state. C'est le boss. On va se faire une safe state. Alors, normalement, c'est Sylphide, je crois. J'ai été gobé. Ah, j'ai re-été gobé. C'est moi ou là il me fait pas de dégâts? Ah. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah, on voit pas. Mais non, mais c'est Micheline que je veux. Oh.
Mais... Allô? Voilà, je suis en train de me dire, j'aimerais sélectionner Michel. Non, mais pas ça. Ok. Il faudrait peut-être que je me soigne à un moment donné. Bri. Hop là, esquive. Hop là, on tape. Non, c'est pas le bon personnage. Ah, Arthos se minimise. Ah, donc du coup, il faut Micheline. Oh putain, 39 points de vie. Soin à tous. Arthos. Hop. Ah. Il est dead. Il est dead. Sphère de la hache. Ben voilà. Pourquoi à chaque fois que je save state, on réussit à battre le boss sans problème, je sais pas pourquoi. C'est fou, hein? À chaque fois que je save state devant un boss, on bat le boss. Je save state tout le temps, hein, au bout d'un moment. Ok. Ah bah, tout droit, on s'en fout des ennemis. Le temple. Bah, le dragon à gauche de la forêt pour passer cette porte. Une sauvegarde? Oui. Bah, le dragon à la gauche de la forêt. D'accord. Ah oui, il faudra de toute façon... Non, je pense qu'il faudra mettre une noix de toute façon. Donc autant tout cramer tout de suite. Avec un peu de chance en plus, on pourra peut-être avoir un peu une magie supplémentaire. Level up? Putain, mais on passe les niveaux ultra vite. On passe les niveaux quand même ultra vite. Voilà, c'est par là du coup. Alors, avant toute chose. Juste préparer vite fait. 2000 PV. 26. Crin Athanor. Let's go. C'est pas le bon personnage, c'était lui. Il est où? Bah après c'est vrai que oui, c'est vrai que Micheline pourrait ne serait-ce que nous faire ça quoi. Il est où? Il est là.
Ah oui. Ah oui. Ah, guérison ratée. Il a combien de PV? 2000, hein? C'est ça qu'on avait vu, non? Bon, pour l'instant, voilà, hein. Voilà. À partir du moment où les boss ne font pas mur, oh, ça va, hein. Tant que les boss ils font pas mur, tout se passe bien. Bravo! Ah, la sphère de l'arc. Il y a un niveau 52. Qu'est-ce que j'aimerais tomber quand même sur le casque? Non. C'est con, hein, vraiment, la dernière fois, on l'avait eu en 2-2, hein, le casque. Le loot du casque, on l'a eu en 2-2. C'est ça qui est con, quoi. Là, on n'arrête pas de tuer des glyphas et on n'a rien. Hein. Continue ainsi. Une sauvegarde? Bah ouais, tant qu'on y est. Essayer quand même d'améliorer un petit peu Gnome parce que bon. Là, si on arrive sur un boss sensible à Gnome et puis Gnome n'est que niveau 3, ça va être chiant quoi. C'était sûr. Ça, on l'a lancé avant, donc du coup, ils ont pas le temps de le faire. Ah, par contre, je me demande. Ah oui, mais non. On va le faire sur Glypha, ouais, qui lui n'a pas mûr. Et bah, on le fera pas sur Glypha alors, qui lui n'a pas mûr. Est-ce qu'on a cette grotte? D'accord. Où est-ce qu'on est exactement? Non mais... Je pensais qu'il allait les faire sur lui. Je me suis dit du coup je me casse, mais en fait non, il l'a fait sur son pote. Zoui! Oh là, oh là, oh là 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 là. Non. Oui. D'accord, ça fait que un show. Très bien. Fort bien. Ça me gratte. Mon bras me gratte.
Allez. Super. Oh, vous êtes chiant, vous. Laissez-nous. Ok. Alors, attends. Il craint Ondine. Mais Ondine, on l'a pas du tout amélioré. Je crois. Ah ouais. Ah ouais, là ça va être galère. En fait, ça va être d'autant plus galère que... C'est d'autant plus galère que pour l'avoir, lui... Ah mais non, bah, là j'arrive à le toucher par exemple. Là ça fait ding ding ding. Après en théorie on devrait gagner des on devrait gagner des points de magie à chaque fois ça touche hein. Bing bing pardon. Ouais, du coup, on va pas gagner grand chose en termes de vitesse. Ça va être compliqué. Y a pas de cible. J'aimerais le taper quoi. J'aimerais vraiment le taper. Allez. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre arme qu'on pourrait utiliser? Un soin à tous. Ah, à plus de PM. Ah, le harpon il fait quand même un peu mal. Bon bah du coup on va reprendre des PM. De toute façon, avant d'aller au Fort Mana, évidemment, on ira à Bolé pour améliorer les armes. Évidemment. Bravo.
Ah, Ondine est passée au niveau supérieur. Ça pourra toujours servir. Ça pourra toujours servir. 297 en coup critique, c'est pas mal. Mais... Ah, reviens! Reviens, gamin! Sinon, Micheline... non, pas ça. Tac, 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 tac. Ah bah voilà. C'était long, mais en fait c'était long parce que ouais, on n'a pas, on n'avait pas amélioré Ondine. Du coup c'était bien long. Vu qu'on n'avait pas amélioré Ondine, forcément. Bravo. Faire du javelot, bah ça tombe bien. Niveau 53 donc. Bon, on va bouger de ça. De toute façon, après, faudra que je reprenne l'épée, en fait. Hein. Après, quoique. On verra ce qui fera le plus mal, en fait. En termes de dégâts. Partout, c'est bien à l'épée. Hein. Bah, le dragon à gauche de la forêt pour passer cette porte. Une sauvegarde? Oui. C'est marrant que là, quand même, le jeu te donne des points de sauvegarde de façon récurrente. Alors, again ou pas? Oh, mais c'est... Là, tu le vois, le dragon? 3000. 29000 d'XP. Explosion, oui d'accord. 21 PO. Il craint Ondine, ouais, bon d'accord. Ouais, on avait compris qu'il craignait Ondine. Le feu, tout ça, tout ça. J'aimerais jouer le jeu. D'accord. Micheline. Bah en fait non, c'est juste, faut juste que moi je change d'arme déjà. Allez. Oui. J'aimerais jouer aux jeux vidéo par contre, au bout d'un moment. Est-ce que tu peux soigner les gens, s'il te plaît? Merci, Micheline, c'est gentil. C'est très gentil, c'est très gentil. Ça me rappelle le Némésis hier. I am touched by the Holy Grail. Oui, le combat il est là, Michel, hein. Tu peux revenir.
Merci. Je lance, mais En fait, c'est pour ça que je préfère attaquer à la magie, parce que... En fait, j'attaque, ça touche pas. Ah. Nostalgie à sombre. Sinon, on fait 25 de dégâts. Autant bourrer la magie. On y a là. Ah, on dit une level up. Oh, allons, il est juste là, c'est bon. Ce con. Il a. Voilà. Et bien là. Ah bah. Ah, c'est mon coup de lance à la fin. Ya. Mon coup de javelot à la fin. Bravo! La sphère du gant. Ah oui, c'est vrai, bonjour. C'était juste là, en fait. Continue ainsi, une sauvegarde? Il y a un bruitage de Spirou. Ça marche pas comme ça en fait, Michel. Après, sinon, au pire, on... Non. Voilà, au pire, on peut se casser, quoi. Oh! Des petites stèles. Bing bong bing bling bong bing bing. Ah, 54. Et toujours pas de casque. Alors que ça aurait pu être bien. Du coup, si on tue lui, on passe au niveau ou pas? Qui passe au niveau? Néo, mais pas Arthos encore. Arthos passera au niveau après. Oh là, oh là, oh là 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 là. Ok, ok, ok. Tout le monde se calme. Okay.
Arthos niveau 54. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse, bonjour. Ah. Ah. Est-ce que tu peux sinon faire une attaque chargée? Ça m'aiderait bien. J'ai pas envie de sélectionner la hache. Bon, on va prendre la hache alors du coup. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas tant besoin d'XP que ça, mais bon. Un peu free, quoi, donc autant le faire, quoi. Ils vont juste prendre énormément de temps s'ils se mettent de la défense, mais bon. Ouais. C'est là. On voit que dalle par contre. Hein. Il était là. Là le problème, tu vois, c'est si il a fait tomber un truc, je le verrais pas. Allez, on se lève. Oui. Oui. Oui, d'accord, oui. Il craint un gnome. Ok. Non, Pokémon, go! Pardon. 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 Non. Je me suis trompé de truc. Non mais, Micheline. Micheline, est-ce que tu peux nous soigner? Ce serait sympa. Pou 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 pi pou 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 pou. Ok, gnome niveau 4. Il n'y a plus de PM, donc il faut lui redonner une petite noix. Alors, par contre, est-ce que... Ouais, il peut pas. Ondine niveau 7 avec Micheline. Ouais, du coup, il met les armes foudre, comme ça, et on fait moins mal. Bro. Boom. Ouais, va pas être compliqué hein, de toute façon. Mais au moins c'est bien parce qu'il nous fait augmenter notre magie de gnome.
Et ça, c'est cool. Pardon. Pardon. Pardon, 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 pardon. Et là c'est pareil, je retape dessus, ça ne fait rien. Est-ce qu'on donne pas une noix à Micheline? De toute façon on en rachètera de toute façon. On rachètera des noix. Du coup, pendant ce temps-là, je peux pas... Pendant que je suis stun, je peux pas attaquer, donc du coup... Autant switch de personnage. Pas besoin de la magie. Pas besoin de la magie. Piri 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 piri. Bravo. Ah, du coup, on a la sphère de l'épée. Sphère de la lance, on l'a eu ou pas? Je sais plus. Je sais plus si on l'a eu, la sphère de la lance. Voilà. Je pensais que j'allais me péter la gueule. Ouais. Par là, par là, par là, on y go. Mais encore un temple avec un dragon? Pas le dragon à gauche de cette forêt. Du coup, je suppose que ça va être un dragon de gnome. De qui? Ah oui, donc du coup, oui, on passe 55 tout de suite, quoi. Allez, allez, allez. Ok. On va quand même faire une analyse avec, avec elle. Mais j'aimerais savoir déjà... Oh. Ok, bon, même pas besoin de se poser la question. C'est le dragon blanc aux yeux bleus. Le dragon bleu aux yeux blancs. Peu importe. On sait quasi 500 de dégâts, il y a combien de... 3000 je crois, j'ai vu. Il est où? Là.
Oh, allons. On va peut-être passer un petit coup de soin chez tout le monde. Peut toujours servir. Hop. Oh, bah dis donc. Eh bah dis donc. En vrai, je pense que ce soir on finit Puritas. Et je pense pas qu'on va commencer le fort mana. Ça m'étonnerait. Non mais... Ah oui d'accord. Obligatoirement la hache. Continue ainsi. Une sauvegarde. Oui. Ah bah non, du coup c'est la fin. Enfin c'est la fin de Puritas quoi déjà. Où sommes-nous? Regarde! Watch out! L'arbre mana! La woman! Mais il est tout petit! C'est pas possible, connard! Nous y sommes. Restaurons l'épée mana. Oui. Je crois rêver. On est vraiment ici? On a vraiment réussi? Quelle chance qu'on se soit rencontrés. Oui. Quel sens avoir eu autant de support. Et merci à toi, joueur. Non, pardon. C'est bon, quoi. Il s'en est passé des choses. On n'a jamais désespéré. Mais il nous reste une chose à accomplir. Demandons à l'arbre mana de raviver l'épée afin que nous battions le fort. Le fort Boyard. C'est la musique de l'intro. Ah, constatez la puissance du fort mana. Allez, ça va les gars? Allez! Ah! C'est un rayon. Mettrons. Debout. On l'a retrouvé avec une hache en face d'un arbre. Où sommes-nous? Où est l'arbre mana? Quoi? Après tout ce que nous avons enduré? C'est un coup de Thanatos. Que va-t-il arriver maintenant? Métro, c'est moi, l'arbre mana. Le fort mana utilise presque tout le mana du monde. Bientôt,
Les monstres sont transformés en une créature géante. Seul le grand démo Mana peut ramener le mana. Mais le démo ne sait pas jauger sa rage, juguler, je sais pas parler. S'il devait attaquer le fort, ce serait la fin du monde. Pour éviter ceci, il faut l'anéantir avec l'épée mana. Certaines fois me donne envie de bailler. Seuls les gens de la tribu Mana peuvent utiliser l'épée. Ton père, le fameux chevalier Paul, aurait dû être à mes côtés. Jadis, l'empereur le blessa gravement, mais Paul jura de l'arrêter. Lors du combat ultime, il tomba pour ne plus se relever. C'était un poteau. Quoi ? Le fantôme près des chutes ? C'était mon père ? Dun 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 ! C'était ton père, Paul. J'étais sa femme, quoi. D'accord. J'étais sa femme, je suis ta mère. Nous sommes la tribu Mana. Les femmes de la tribu deviennent l'arbre qui protège le monde. C'est con, du coup. Les hommes manient l'épée qui protège du mal. Ouais, donc du coup, les femmes, ils restent à la maison pendant que... Ah, bref. Tu dois arrêter le fort, Mana. Pourquoi il y a un point, du coup ? Ah non, tu dois arrêter le fort. Tu dois arrêter le fort. Mana est faible et ses protections déclinent. Avec mon peu d'énergie... Je vais appeler la force des graines mana. Force de l'épée au maximum. Metro. Désolé. Je n'ai pas été une très bonne mère. C'est vrai qu'enracinée comme ça, j'ai pas pu te voir souvent, mais bon. Mère, c'est vraiment toi. S'il te plaît. Eh ben là, j'ai été coupé en deux, littéralement. Mère ? As-tu me répondre ? Mère ! Maître, mère. Quelle histoire ! Donc ta mère était vraiment à bout de bois ? Écoute, elle nous a demandé quelque chose. Mais ça n'a pas de mère. C'est triste. Moi non plus d'ailleurs. Désolé. Je vais me ressaisir. Je vais me servir un verre. Pas bon truc. Oublions cela, oublions de cette connerie de bois. Nous avons autre chose, beaucoup plus. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Ah, enfin, des propos cohérents. C'est comme si je venais retrouver ma mère, moi aussi. Fini de papoter, allons-y. Allons-y, on va changer d'arme. Allons-y, allons-y, allons-y. Bah du coup, bibo bibo bom, petite, voilà. Alors, du coup, on va aller sauvegarder. Enfin, on va aller à Bolé. On va aller à Bolé. On va améliorer nos armes. Alors, recherche de Bolé par contre. Hein. Ah, c'est pas le bon endroit. Coincer le pied.
le bon endroit. Chaque fois, je confonds. Oh, ça, c'est Pandore. Ça, c'est mon... The Booby. C'est là. Alors, on va déjà acheter des trucs. Alors, notamment du chocolat, on a déjà des noix. Ça, c'est sûr, il faut qu'on en prenne. Coupe désir, il faut qu'on en prenne. Par contre, là, le truc, c'est que j'aurais bien aimé sinon faire un petit peu de. Un petit peu d'XP. Parce qu'en fait, ce qui me gêne, c'est que là, je sais que le fort mana, on en a pour 2 heures. Donc, du coup, c'est chiant. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? On a le gant. Qui devient le Ura. On a l'épée qui devient la Kora. On a la hache qui devient la Shota. On a l'arc qui devient le Jalet. On a le fouet qui devient le fléau marteau. Ah, mais le fouet, on n'avait pas. D'accord. Le fouet, on ne l'avait pas du tout amélioré. Shoeken, la Fushi, et du coup elle doit être améliorée ou pas? Non. Et du coup au niveau des dégâts on est à combien? Donc 120 pour ça, 112, 118, 104, 113, 113, 113, 118, ok. C'est la lance qui reste encore la plus forte à 120 en fait. Hein. Bon, on va sauvegarder. Et ça coûte que 50 balles ici. Après, je sais pas si on peut XP un peu plus. Parce qu'après XP les magies, on n'a pas d'autre endroit où on peut XP les magies. Qu'est-ce qu'on a du coup? On est 55, 55, 55 à 39. Et au niveau des magies. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Gnome niveau. Gnome, à la rigueur. On peut passer Gnome niveau 5. Sylphine niveau 6. Parce que Sylphine niveau 6, ouais, ça peut se faire. Du coup, on a eu la magie mana à fond, non? Voilà, on l'a plus tard. Ouais, non, on l'a pas encore. Oh, je viens de voir un truc. Il fait 88 de dégâts. 23, ouais. D'accord. Ah, c'est vrai qu'ils font, ils font moins de dégâts du coup, eux. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse avant d'y aller? Parce que là, on a fait Puritas. Je regarde vite fait en fait. Après c'est le fort mana, ouais. Alors, on nous dit le niveau doit être au minimum de 50. Donc ça tombe bien parce qu'on est au niveau 55, c'est ça. Hein.
C'est ça. Donc ça, c'est bon. Alors, toutes vos armes peuvent être entraînées niveau 8, mais ça, c'est pas grave. Ok. Il est vraiment possible d'entraîner toutes vos magies niveau 8. Allez au haut pays, devant le palais du vent, pour que le vampire de l'air fasse du point de magie gratuitement. Palais du vent. Au haut pays devant le palais du vent. Vampire de l'elfe les rend plein de magie. Où ça? C'était où déjà le palais du vent? C'était où, palais du vent? Ah oui, c'était le palais, d'accord, oui. C'était ce palais-là. C'était ce palais-là. Bon, on est pas loin en fait. Oui, c'est le palais de. Oui, c'est le palais de. Des quatre saisons. En fait. Mais je sais pas pourquoi il me montre cette image-là, du coup, ça n'a rien à voir. Rien à voir cette image là en fait. Oui voilà, c'était c'est une autre image, oui. Ah oui voilà, oui, c'est parce que c'est la solution rapide pour augmenter les armes, donc oui, ça n'a rien à voir. Donc aller au pays devant le palais du vent, c'est où? Après, j'ai envie de dire, ça fait 1h53 de VOD, est-ce qu'on va vraiment se faire ça ou est-ce qu'on y va à la YOLO, quoi? Tout dépend en fait de ce qu'on aura besoin comme magie. Après, on peut se faire la prochaine fois 30 minutes de ça, quoi. Mais bon. Le haut pays, c'est où cette connerie? Ah bah de toute façon c'était pas loin de voler en fait, je suis bête. Là c'est où là? Eh d'accord. Là c'est voler directement. Là c'est voler directement. Donc c'est pas ça. C'est ça. Ok, donc là on est... C'est bien ce palais là, hein. Oui, c'est ce palais là. Parce qu'en plus, du coup, il nous redonne de la vie et les points de magie. Donc oui, ça vaut le coup. Ça vaut bien, bien le coup. J'ai eu peur. Hein. Bon, on va voir vite fait si ça vaut le coup. Alors, vite fait, si ça vaut le coup d'XP comme ça. Du coup, on avait dit sulfite qu'il faudrait augmenter.
Juste l'envie. C'est juste chiant qu'il y a cette petite demi-seconde que... Salaud de la musique. Allez, franchement. Hop. Ah, en plus, il y a vraiment plein d'ennemis. On pourrait faire juste ça et revenir et se faire les autres ennemis, ouais. Non mais... Ne les tue pas comme ça. Pas comme ça, Zinedine. Donc en fait, c'est mieux comme on fait. On revient, tac, et on sait comment ça va déjà loader les trois d'un seul coup. Hop. Il y a combien du coup? 96, donc encore une fois. Et on passe ici niveau 6. Bon. S'il finit niveau 6, c'est déjà bien. S'il finit niveau 6... Après, il y a Gnome qu'il faudrait qu'on augmente. Il faudrait qu'on augmente Gnome, au moins d'un niveau. Ondine, il faudrait qu'on l'augmente d'un niveau aussi. Parce que je pense qu'on va pas mettre toutes les magies niveau 8. Déjà, rien que comme ça, on défonçait tout le monde, donc... Juste faire quelques niveaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Donc nos niveaux 5 c'est bien. Ouais, faudrait qu'on se fasse Ondine. Ondine niveau 5. Je pense que ça serait pas mal. Au cas où on retombe sur... sur un combat chiant. Après un dryade, il faudrait qu'on l'augmente aussi hein, en vrai. Hein. Parce que dryade, il y aura théoriquement la dernière magie du jeu. Ça sera sur dryade. Du coup, on aura besoin. Ils font pas beaucoup elle fait pas beaucoup de dégâts en plus cette magie. Et c'est pareil hein, de toute façon. Faudrait vraiment qu'on augmente ces magies là quoi. Spook. Spook. Je pense que là on va faire dryade et on s'arrêtera je pense après de toute façon.
Si je fais ça et je reviens... Ça repop pas tout le monde, donc c'est pas hyper intéressant. On va faire ce qu'on faisait. Tac, tac. On augmente Dryade niveau 1 et après on voit après. Parce que le problème de Dryade, c'est vu qu'elle est niveau 0, en fait elle fait pas du tout de dégâts. Et à la fin du jeu, on aura besoin. Bravo. Spraff. Voilà, ça a rejeté la magie, d'accord. Il lui reste combien de niveaux à Dryade? 72, enfin 72 points d'expérience. Bon, on va revenir là-bas, vu qu'il a plus de MP. Et on continuera ça. Du coup, la prochaine fois, on fera pareil, une petite demi-heure. On levelera Dryade, on levelera Athanor. Si, c'est Athanor. Je sais plus. Ondine, c'est sûr. On les fera tous passer au moins niveau 6. Ça sera, je pense, suffisant. On n'aura pas besoin de le faire passer au niveau 8. Zou, zou. Sois prudent. Ah, il restaure aussi les MP, on est d'accord. Hein. Non, bon, on essaiera de faire ça. Je vais revoir vite fait les. Hop là, vite fait les niveaux. Mais. On fera du coup Ondine. Ondine niveau 5. Au moins, ça sera suffisant. Athanor niveau 7. Si on peut le faire, ça serait bien. Luna niveau 3. Ça serait intéressant aussi. Dryade niveau. Faudrait la mettre peut-être niveau 2, hein, Dryade. Hein. Faudra peut-être qu'on passe beaucoup de temps dessus. Pareil, Ombre niveau 3, ça serait cool. En fait, passer. Toutes les magies à un niveau supérieur. Mais surtout Dryade. Dryade va falloir l'augmenter au moins niveau 5. Parce qu'on en aura besoin. Parce que c'est la magie de fin. Magie de fin de jeu. Et donc on en aura besoin. Et côté de Néostalgia. Qu'est-ce qu'on a on aurait à faire? Dryade. Dryade, Lumina. Ce qui est intéressant. Athanor, il n'y a pas grand chose. Je pense déjà Dryade Lumina. Sûr. Parce que Dryade. Ah oui, Dryade, il faut qu'on l'augmente. Avec Néostalgia, c'est hyper important. Parce que c'est la magie de Rez. Donc plus elle aura de niveau, plus on pourra Rez avec un nombre de PV important. Donc il faut que Dryade soit à haut niveau avec Néostalgia. Ouais. Donc faudra qu'on fasse des boucliers en permanence pour pouvoir. Pour pouvoir récupérer, enfin pouvoir augmenter Dryade. Ouais. Donc je pense que la prochaine fois, c'est ce qu'on fera. On fera une petite demi-heure là-dessus. Et après, bah du coup, on fera full 2 heures. Donc oui, ça prendra peut-être 2 heures et demie. Donc comme ça, on fera full 2 heures où on terminera du coup ce Cut of Mana. Et ça sera cool parce que du coup, comme ça, on aura fini ce Cut of Mana, le jeu vraiment que j'ai. Le jeu de mon enfance. Avec des musiques formidables évidemment. Et après bah du coup on fera non pas Commando 3 comme j'avais prévu. Je pense que Commando 3 on le fera en deuxième partie d'année. Mais on fera plutôt un autre jeu que j'avais en étant petit. C'est un petit peu voilà mais un autre jeu que j'avais qui était Blood Omen 2 que j'avais sur PC. Je l'ai récupéré en solde à moins 80% sur GOG. Je le récupérais à 2€, je sais plus. Et je me suis dit, c'est vrai que ça peut être cool parce que c'est un jeu que j'avais, c'est un jeu que j'adore aussi. Dans un autre registre, évidemment. Mais je pense qu'on pourra se faire. À la base, je devais faire Soul River, que j'ai jamais eu. Mais à la base, je devais le faire. Mais il paraît que l'émulation est un peu buggée. C'est un des jeux qui a du mal à être émulé sur un peu toutes les consoles. Et du coup, je me dis, on verra. Peut-être qu'on le fera un jour, mais c'est moins important pour moi
que Blood Omen 2 que j'avais. Donc je pense qu'on se fera Blood Omen 2 tranquillement. Il y aura peut-être une pause et encore même pas au mois de mai pour le May the 4th Be With You. On fera peut-être une pause avec un jeu Star Wars. Je verrai. Parce que c'est pas sûr. Mais ouais. Après, j'hésite. Hein. C'est vrai que je parle des KOTOR. Est-ce que ça vaut le coup de faire un KOTOR alors qu'on pourrait se faire Jedi Outcast? Donc Dark Forces 3, Jedi Knight 2, Jedi Outcast. On pourrait se faire Jedi Outcast. En vrai, on pourrait. Je l'ai sur GOG. Non, c'est pas sur GOG que je l'ai. Oh si, peut-être. Je sais plus si j'ai sur GOG ou sur un autre service. Mais en plus, je l'ai déjà. Donc c'est vrai qu'on pourrait se faire un Jedi Outcast à la place. J'ai même Jedi Academy. Donc en vrai, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. C'est à réfléchir. En tout cas, sur ce, on va se quitter là-dessus. On se retrouve donc la semaine prochaine pour Secret of Mana, pour la fin de Secret of Mana. Là, c'est sûr et certain, ça sera la fin. Parce que là, du coup, bah, il restera plus qu'à... Comme je dis, on fait une petite demi-heure de up de magie. Et après, on fait, le fort mana et c'est parti, quoi, la fin du jeu, hein. Donc, on le termine la semaine prochaine. Demain, du coup, 20h30 pour du Resident Evil Code Veronica. On commencera Code Veronica. On commencera Code Veronica tranquillement. Et, parce que du coup, on a fini donc Resident Evil 3 hier. C'est vrai qu'un petit peu déçu. Hein, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de contenu quand même. La fin du jeu était rapide. Un peu plus de contenu, ça aurait été mieux. J'espère que pour Resident Evil 4, ils auront déjà tout le contenu de base. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher bien loin. Hein. Tout le contenu de base, il faut qu'ils le mettent dedans. Comme ça, c'est bon. Les deux campagnes de Ada, le mode mercenarise, vous mettez tout ça dedans et c'est bon. À la rigueur, le mode mercenarise, mettez-le en DLC et sortez-le à la fin de l'année. Mais au moins, tout le contenu du jeu original, plus la campagne de Ada, ça serait déjà très bien. Et au pire, Mercenaries, oui, si vous n'avez pas le temps de le terminer, mettez-le en DLC à la fin de l'année. DLC gratuit. Mais voilà, au moins comme ça, on sait qu'il y aura du contenu. Donc demain, Resident Evil Code Veronica. Et puis voilà. Et la semaine prochaine, donc du coup, ça sera Code Veronica et la fin de Secret of Mana. Possiblement un jeu multi avec Neo. Faudra que je lui en reparle, voir ce qu'on se ferait du coup en termes de jeu multi. Je sais plus ce qu'on avait dit mardi. Je sais plus du tout. On en avait parlé, mais je sais plus de quel jeu on avait parlé exactement. Donc je vous redemanderai. Sur ce, portez-vous bien. Stay safe, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Metroid02, à follow le compte Twitter Metroid02 Stream et à follow évidemment la chaîne Twitch Metroid02, celle-là même, pour avoir donc du coup, surtout être notifié du lancement des lives. C'est très important. Portez-vous bien et à demain, 20h30 pour du Resident Evil Code Veronica, où ça sera la petite pause entre deux remakes. On reprendra un Resident Evil un peu plus classique. Mais tout aussi bien, et surtout que ça va apporter plus d'informations sur Claire et sur sa recherche, on va dire, d'Umbrella et de ce que fait la société Umbrella, un petit peu cachée du visage de tout le monde. Portez-vous bien, et à demain, 20h30, pour du Resident Evil. Allez, ciao !